Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'alimentation vivante, autant dire de l'alimentation crue. Alors c'est le meilleur moyen pour faire le plein de vitamines, mais pas seulement, aussi d'enzymes, d'oligo-éléments. Les enzymes, elles sont essentielles à la digestion. Notre corps peut les fabriquer, mais on les trouve aussi dans notre alimentation. C'est ce qu'on appelle les enzymes exogènes, parce qu'elles viennent de l'extérieur. Ça nous permet de garder notre réserve d'enzymes. Le problème, c'est que la chaleur va détruire ces enzymes. Elles sont très très sensibles à la chaleur, étant donné que dès 50 degrés, bye bye les enzymes. Les vitamines sont essentielles, surtout qu'on ne les fabrique pas, à part la K et la E. Il y a deux types de vitamines différentes, les hydrosolubles et les liposolubles. Les hydrosolubles, c'est les plus sensibles à la chaleur, notamment la vitamine C. Il faut savoir que la vitamine C, dès 60 degrés, elle commence déjà à se détériorer. Très important aussi, les sels minéraux et les oligo-éléments. Dès 100 degrés, ils se précipitent et ils deviennent non assimilables par notre organisme. Mais ce n'est pas tout. Les acides gras sont essentiels à notre corps. Ils nous fournissent de l'énergie, ils jouent un rôle dans la synthèse des hormones, ils permettent l'assimilation des vitamines liposolubles A, B, K et E. Le problème quand on les chauffe, c'est qu'ils vont faire des composés toxiques et cancérigènes. Toute huile a un point de fumée qu'il ne faut pas dépasser. Donc quand on mange cru, on évite que les vitamines, les oligo-éléments, les acides gras se détériorent. Et on a le maximum de ce que l'aliment peut nous apporter dans sa forme naturelle. On ne le dénature pas du tout. Comme on l'a vu, la cuisson crée des composés toxiques, notamment la réaction de Maillard, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Et si vous n'en avez pas déjà entendu parler, vous voyez très bien de quoi je parle. C'est la bonne croûte sur le pain, c'est l'odeur du café torréfié. La réaction de Maillard, c'est la caramélisation des protéines. Et c'est pendant ce processus que se créent les acrylamides, qui sont des composés cancérigènes. Mais c'est aussi ce qui donne le bon goût des aliments rôtis. Méfiez-vous du brun que vous pouvez trouver sur les aliments. Alors évidemment, manger cru, c'est la meilleure solution pour garder nos vitamines intactes et pour garder nos oligo-éléments bien assimilables et qu'on puisse en retirer un maximum de bénéfices. Si vous n'avez pas l'habitude de manger cru et que vous avez les intestins irrités, il faut savoir que les fibres qu'il y a dans les alimentations crues sont plus dures que les fibres dans les aliments cuits. Donc vous remarquez qu'une carotte crue, les fibres sont beaucoup plus dures et actives que dans une purée de carottes par exemple. Alors à ce moment-là, vous pouvez tout doucement introduire plus d'aliments crus dans votre alimentation de manière à ce que votre organisme puisse s'adapter et le temps de s'adapter. Il y a des cuissons qui sont meilleures que d'autres. Par exemple, si vous décidez quand même de cuire vos aliments, il faut savoir que la cuisson à l'étouffée et la cuisson vapeur sont deux cuissons qui vont beaucoup plus respecter nos vitamines. Alors la cuisson à l'étouffée, c'est très simple, vous faites cuire les légumes dans leur propre eau, c'est-à-dire vous les mettez dans le fond de la casserole, vous versez un tout petit peu d'eau et vous les laissez cuire comme ça en fermant le couvercle. À feu doux bien évidemment. Méfiez-vous de la cuisson sous pression, comme par exemple avec la cocotte minute. Déjà, la chaleur est bien trop forte, ce qui engendre une grande perte de vitamines. Mais en plus de ça, la pression compresse la structure du légume. Si vous décidez de cuire vos aliments, ce qui est important aussi, c'est d'ajouter la matière grasse à la fin. Comme on l'a vu, quand on chauffe les matières grasses, elles développent des composés cancérigènes. Donc le mieux, vous faites chauffer vos légumes à la vapeur ou à l'étouffée, comme vous préférez, et ensuite vous rajoutez un filet d'huile d'olive ou, moi ce que je préfère, c'est une cuillère à soupe de crème de coco. J'adore la crème de coco et en plus, c'est super bon pour la santé. Une autre chose qui est très importante, c'est de ne pas réchauffer vos plats. À chaque fois que vous réchauffez vos plats, vous allez créer encore plus de composés cancérigènes et vous allez perdre encore plus de vitamines. Une autre petite précision, à chaque fois que vous mangez des aliments cuits, ça crée une réaction dans votre système immunitaire avec une création de globules blancs. Donc le mieux, c'est de manger des légumes crus avant vos légumes cuits. On a remarqué que cette réaction immunitaire était bien moindre si on mangeait des crudités avant. Alors vous l'aurez compris, pour moi,
moi, manger cru, c'est la meilleure solution. Maintenant, même quand on mange cru, on risque de perdre certaines vitamines, notamment lors du stockage et lors du lavage. Pour le stockage, évitez de couper vos légumes ou de les râper avant de les stocker. Par exemple, je ne râpe pas mes carottes pour les manger le lendemain matin parce que je vais perdre beaucoup de vitamines. Essayez de les stocker, bien évidemment, à l'abri de la lumière et de la chaleur. On perd aussi des vitamines lors du lavage. Le mieux, c'est de laver votre légume avant de le couper. Quand il est coupé, il est plus sensible et il risque de perdre plus de vitamines. Pareil, épluchez-le après de l'avoir lavé. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous-même et de votre alimentation. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.